Salut à tous, c'est Mister Fanax de retour pour un nouvel épisode de Dragonia 5985. Donc dans le précédent, c'est la merde. Puisqu'en effet, dans le précédent épisode, les héros avaient donc commencé à s'infiltrer dans la colonie souterraine des Kanshi et sont peut-être sur le point de débusquer leur reine alors que les combats commencent à faire rage. Donc Spiritus, toi tout en haut, tu t'avances donc dans le tunnel et tu commences à voir ce qui t'attend au bout. Tandis que Frost, toi, effectivement, tu commences également à avoir un petit panorama. Ah, passe. Ah non, même pas. Ah bon, je vais donc, dire, vas-y, 1v1. Et donc, vous voyez vaguement que ces tunnels s'ouvrent sur une grotte. Et probablement ce tunnel aussi. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez de plus en plus précisément vers quoi vous vous avancez. Allez, bim, allez, ça va être un endroit. Vous voyez tous les deux l'arrière d'une énorme créature qui s'agite à droite et à gauche, visiblement très perturbée. Vas-y, on le voit, la gangbang. C'est un cadavre. C'est un cadavre. C'est un squeletton. Et ça, non. Okay, effectivement, Spiritus, à ta grande surprise, tu vois au fond du tunnel, plaqué contre un mur et retenu par une sorte de sécrétion gluante étrange. Tu vois, le fourmier d'araignée. Tu vois un homme en armes, mais pas n'importe quel homme. En effet, ce n'est autre que l'ennemi que vous aviez combattu dans le château. Celui qui s'est régénéré, comme le oui, le chef des protecteurs de l'ombre qui vous ont attaqué, celui-là même qui a ignoré la réussite critique de Frost, c'est bien lui et il a l'air d'être emprisonné et plaqué contre la paroi par des sécrétions visqueuses, manifestement capturé par les Kanshi. Si jusque-là il n'a pas réussi à s'échapper, ça c'est des Kanshi de combat par contre. Ah, effectivement, les Kanshi, les trois Kanshi qui sont visibles à l'écran, il y en a que deux qu'on voit du côté de la grotte. Non, mais il y en a, ceux-là aussi en font partie. Ce sont effectivement des Kanshi de combat très féroces. Bah, effectivement, alors, Spiritus, oui. À l'instant où il te voit, eh bien, donc cette personne, ce chevalier, tourne la tête vers toi, semble te reconnaître, et tu vois dans ses yeux briller comme une lueur d'espoir, et il s'écrie « Vite, vite, venez me délivrer, c'est moi, c'est Ovarel !» Tu peux le tuer, merci. C'est Ovarel ? Pardon ? Donc, oui, quoi, et donc oui, l'homme, le chevalier mystérieux vient de crier qu'il était Ovarel. Le mec, il est au moulin rouge, c'est Non, mais c'est un gros connard, Ovarel, ça veut dire qu'il s'est fait passer pour un méchant. Attends. Non, c'est un méchant, c'est juste qu'il a... Donc Spiritus, que fais-tu ? Pendant qu'une de un Kanshi se rue vers toi. Tu fais un focal point. Effectivement, le chevalier, vous aviez pu saisir une conversation entre plusieurs personnes qui auraient pu laisser penser que ce chevalier s'appelait originellement le chevalier de Calombe. Ouais, mais il nous avait pas donné son nom, à la base. Mais c'était un méchant. Lui-même, non, il n'avait pas donné lui-même son nom. Et emprisonné. Ovarel, c'était pas celui qu'on avait croisé. Ovarel, donc, c'était, pour rappel, l'envoyé du gouvernement que vous aviez croisé sur la route et qui vous avait un petit peu aidé. Et qui était mage. Il dit qu'il est Ovarel. Je suis Ovarel. Non, moi je suis pas Spiritus, que fais-tu ? Ovarel, cherche-toi. Spiritus, que fais-tu ? Le Kanshi va t'attaquer. Eh ben justement, je l'attaque avant qu'il ne m'attaque. Ok. Pas faire grand-chose vu la taille du truc. Hein, Eh bien, fais ton test. Ça passe. Très bien. Et donc, l'ennemi n'arrive pas à éviter le coup. Lance-moi un des 6. Tu lui assènes un coup de patte. 2 plus les griffes, ça fait 4. Très bien. Donc tu assènes un coup qui le plaque contre la paroi. Et effectivement, ensuite, il se retourne vers toi et se rue vers toi avec une férocité que tu n'avais encore jamais vue, même chez ces créatures démentes. Et donc, Frost, de ton côté. Je crois que t'es énervé. De ton côté également. Attends, mais déjà, je pose le truc de la torche là. Je la pose là. Très bien, tu poses la torche et l'ennemi t'attaque dans ce mouvement. Et what the fuck ? Ah, boum ! Mais what ? Il saute, c'est moi qui vole, c'est oui ! Bon, très bien. Il saute en plein sur la tête de Frosty. Donc Frosty, tu le vois, tu fais oh merde, et tu commences à poser la torche, mais le Kanshi te saute dessus. Dans un réflexe désespéré, toi tu le poignardes,
Le Kanchi s'empale sur ta lame, et toi, avec la torche que tu étais sur le point de poser, sans faire exprès, tu lui fous la torche en plein dans la tronche, et la carapace du Kanchi s'embrase, il hurle, et il glisse de ta lame et tombe au sol. Son cadavre commence à brûler doucement, et il ne bouge plus. Bah, en fait, je voulais faire ça avec la reine, du coup. Les flammes. C'était non, mais... rapide. Fous lui un coup de pied, envoie-le par là. Non, mais oh, mais je sais ce que je vais déjà faire autre chose, de toute façon. Avec la torche, je reprends la torche. Le truc, il est aussi gros que Frosty. Comment veux-tu qu'il lui donne un coup de pied? le truc est un peu trop lourd pour le propulser. Ok, donc Frosty, toi, donc tu te débarrasses de ton ennemi et tu vas commencer à pénétrer dans la chambre de la reine sur laquelle tu as désormais une belle petite vue. Trop belle la chambre. Hein. Ah oui, ça a vu, il y a même des paillettes et des figurines My Little Pony. Elle est blanche, elle est albinos. Ouais, donc. C'est une énorme créature insectoïde, longue, avec la carapace légèrement molle. Visiblement. Voilà. Visiblement très agitée, donc qui regarde un petit peu dans tous les sens ce qui est en train de se passer. Voilà, qui a l'air très perturbée. C'est trop gros pour ça. Donc pendant ce temps-là, vous autres en bas, vous êtes toujours en train de vous battre pour votre survie. Du coup, bon, c'est le Okino, garde que qui agit, non, il essaye pas de s'en sortir, le garde, ou il est mort. Le garde n'est pas encore mort, il n'a pas dit son dernier mot. Effectivement, donc, il va tenter de se libérer. Mais oui. Il y a de la beauté. Très bien. Il prend la tête, il casse en deux, tu sais. Et donc, le coup de bâton de Volker... Ça, il prend les pendules, clac. Le coup de bâton de Volker ayant légèrement étourdi la créature, donc le garde dégaine son couteau de poche, et alors que le Kanchi s'apprête à l'achever, il lui donne un coup de couteau dans le ventre, le Kanchi retombe sur le côté, mort. Il est apparemment tué sur le coup, et donc le garde, gravement blessé, bien réussi à s'en extirper, essaie de ramper un petit peu loin du combat. Lui, il est mort. Volker, il va le soigner. Il est mort. Donc pendant ce temps-là, l'autre garde, effectivement, se rue vers le Kanchi qu'il a repoussé au tour précédent, on s'en fiche. Et donc, il donne un coup d'épée, hein, et ce coup d'épée manque sa cible. Okino, à toi d'agir. J'ai toujours mon tour. Hein, j'avance en enjambant le Kanchi qui est devant moi. Le Kanchi. J'arriverai à le dire à la fin de la série. Oui, un jour. Et donc. Et je tire et je m'approche pas de lui au corps à corps, je lance le couteau dessus. Très bien, tu lances ton couteau avec un test d'adresse. Effectivement. Donc, on attend tous l'incroyable résultat, mais en plus il le réussit. En fait, très bien, lance-moi un D6. Que tu réussis pas, du coup, c'est bien. Pour une fois. D6 de l'amour. Ouais. Mais c'est magnifique en plus. Très il a, bien. Il a 4 échecs et 2 réussites. Tu lances ton couteau dans la créature qui était sur le point d'attaquer le garde qui lui faisait face. Mais au moment où elle va s'élancer, tu lui lances un couteau. Ça perfore sa carapace, ça coupe net dans son élan et elle retombe au sol en s'agitant faiblement. Et je suis meilleur en lancer de couteau qu'en plantage de couteau quand même. Donc pendant ce temps-là, donc Volker, voyant que tout est sécurisé, eh bien commence à s'engager dans le tunnel. Il n'essaye pas de soigner l'autre garde. Ça c'est son. Alors déjà, tu joues trop mal Volker parce que il l'aurait soigné. Allez, soyons gentils, effectivement. Donc au lieu d'être yolo, donc ça va là sur un garde. Donc il voit le garde étendu au sol et il met sa main sur sa poitrine, sur sa blessure et il tente de diffuser sa magie. C'était un magnifique fail. Effectivement. Très bien. Hop, il perd 6 points d'énergie. Il va encore gaspiller toute sa mana sur un personnage. Très bien, donc il est tendu, il est dans le feu de l'action, il tente de le soigner, mais non, son énergie s'échappe de son corps, il n'arrive pas à soigner le garde. Et limite, j'arriverai à mieux lancer un sort de soin que lui. Ouais, ça va, arrêtez de critiquer. Et pourquoi il le met 6 en fait après? 6 en fait, c'est parce que c'est pour voir voilà, combien de points d'énergie qu'il était censé soigner, mais qu'en fait il perd en pure perte. Très bien, donc Spiritus. Ça aurait été un putain de soin. Spiritus, donc tu as le Kanchi qui est plaqué à la paroi. Tu as l'initiative si tu veux l'attaquer. Bah, c'est lui qui peut l'attaquer, là. Il fait le ramasse-miettes. Hein. Alors attention, je sens que la manipulation est relativement compliquée, mais encore plus. C'est courir, encore plus le plaquer, et si possible, saisir les pieds.
Oui, bah. Tu pouvais pas tenter de le broyer juste contre le mur? Ce serait pas plus efficace? Oui, bah, en quelque le plaquer, le broyer, bref. Et j'ai besoin de très toi, bien. Par contre, là. Et bah, là, fais-moi un test de force. Oui, mais justement, c'est ce que je dis, personne m'écoute. Je broie l'autre qui est là, puis je vais prendre l'épée qui est là, si possible. Ah, d'accord. Ah, c'est ça que tu voulais faire, en fait, commence par me faire un test de force. Prendre l'épée et le transpercer. Oui, c'est tout. C'est ce qu'on a tous compris, en fait. Donc pendant ce temps-là, effectivement, la reine commence à se retourner lourdement. Donc, Spiritus, fais-moi ton test de force. Bonjour, monsieur. Tu viens, allez. Eh, merde. Ok, donc tu tentes de plaquer la créature, ta patte la manque, elle recule dans le tunnel pour se rapprocher un peu de sa reine. Pendant ce temps-là, donc, le chevalier mystérieux qui prétend être Ovarel, donc, s'écrie, crie à votre adresse, faites attention, la salive de la reine est empoisonnée, si elle arrive à vous toucher, elle neutralisera la magie, c'est comme ça qu'elle m'a eu. Bah c'est... Je m'en fous, j'ai pas de magie. Très bien, donc tu cours en mode je m'en bats les couilles. Il y en a le plus rien à foutre. Mais oui, enfin, mais c'est tout quoi. Très bien, donc t'arrives en mode bats les couilles. Frost, à toi. Non, c'est. Oui, Frost, parce qu'on va gérer par zone. Tu balances la torche. Tu sais que le feu leur fait peur. Mais toi, tu vas te taire. Je balance la torche là. Très bien, donc tu essaies de lui lancer la torche. Fais-moi un test d'adresse. Est-ce qu'elle va réussir à rattraper? 38, très bien. Ça passe. Et donc, tu lances la torche dans sa direction, tu vises juste, et effectivement, la torche atterrit sur sa carapace. Non, elle l'a pas dans la bouche. Sur sa carapace. Mais tu n'as pas non plus fait une réussite critique. Tu vas pas lui faire avaler la torche, hein, t'as fait une réussite critique. Non, mais juste pour le faire brûler, pour faire brûler sa salive. Oui, mais ça touche la carapace et la carapace elle a brûlé de l'autre. Hein. Donc tu touches la carapace et la reine pousse donc un hurlement de douleur et commence à reculer. Ça ne s'embrasse pas, mais elle a l'air gravement brûlée, elle secoue la tête de droite à gauche. Bon, je pense qu'on l'entend, moi et Volker, ce rugissement. Oui, vous l'entendez distinctement, vous êtes à quelques mètres. Ouais. Pendant ce temps-là, donc, Okino. Du coup, je rush à l'intérieur, en mode, je passe, mais je récupère la dague que j'ai lancée. Ça, c'est moi, ça. Toujours une dague sur soi. C'est moi, ça. Pas à deux, en fait, mais bon. Je récupère la dague que j'ai lancée et je rush dans le tunnel. Tu vas pas me faire perdre des points de vie? Hein, mais on les voit pas sa barre de vie. Bah, on la voit maintenant. Sa barre de vie. Maintenant il l'a mis, mais. Ah, je la voyais pas moi. Ah si, c'est bon, elle a perdu. Donc pendant ça, donc Okino, tu cours dans le tunnel. Ouais, en récupérant ma dague au passage. Oh, j'ai enlevé masse de vie. Donc, hop. Donc tu débouches dans le tunnel, parce que oui, il faut toujours te bouger avec le feu follet qui te suit toujours. Et donc tu arrives devant la reine. Que fais-tu? Tu fais un gros éclair. Là t'as la déjà, je vois la torche qui lui tombe dessus. La torche qui est dessus en fait. Et qui donc ensuite qui retombe, mais elle est brûlée, effectivement. Même si c'est complètement même si ça peut complètement se foirer vu que je suis sous terre, je tente un sort. Très bien, tu balances un éclair. Ouais. Un éclair mineur, hein, parce que j'ai pas beaucoup. Allons-y. J'entends. On voit. 35, ça passe ici. Très bien, donc. Tu arrives, tu vois la reine, tu t'étais préparé à la rencontrer parce que tu avais bien compris ce qui allait se passer, donc tu avais chargé ton sort. Immédiatement, tu la vois, tu balances en plein dans sa carapace. Lance-moi un D6. D'ailleurs, j'ai plus 2 ou plus 3 déjà en foudre. Je crois que c'est plus 2. Plus 2. 6 plus 2. Très bien. Maximum dégâts. Très bien, donc tu lances ton éclair en plein dans la carapace. Sous l'impact, la reine hurle, elle, tous ses segments s'agitent dans tous les sens. Elle envoie des coups de queue, des coups de pattes partout dans le tunnel, faisant s'ébouler un peu de terre. Et donc, elle s'agite dans tous les sens, devenue visiblement à moitié folle. Et pendant ce temps-là, donc le dernier garde encore en état de se battre, donc te suit et s'engage à ta suite dans le tunnel. Pendant que Volker. Donc Volker vous lance, je vous rejoins, il faut que j'essaie de faire quelque chose pour lui. Volker, il va arriver, la reine sera morte. Oh bah, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, pendant ce temps-là, ma souris a bugué pendant une seconde, c'est trop cool.
J'ai adoré. Très bien. Donc Volker à présent seul avec l'homme. Essaie de se concentrer. Je dois y arriver. Effectivement, ouais. Il réussit. Magnifique. Et là, 2. Très bien, je lui donne un point bonus avec la bonne qualité de sa réussite. Très bien, donc il insuffle son énergie au garde, il referme superficiellement la plaie, et le garde survivra. Il est pas en très bonne forme, mais il survivra. Et donc Volker, après avoir vu ça, tape sur l'épaule du garde, tout va bien se passer. Et il s'engage dans le tunnel également. Donc à présent, le combat fait rage. Spiritus, c'est à toi. Très bien, donc du coup, je tente de saisir l'épée qui est là. Voilà. Double. Ok, très bien. Donc, tu attrapes l'épée de la main du squeletton. Et pendant ce temps-là, le Kanshi qui avait reculé, eh bien, saute sur toi. Bah, du coup, je vais tenter de lui foutre un gros coup. Mais c'est pas un échec critique, mais quand même, il y a de l'abus des fois. Très bien. Et donc, il tente de te sauter dessus, mais il saute. Il est tellement excité qu'il fait un bond bien trop puissant. Et effectivement, eh bien, il passe au-dessus et il va s'écraser contre une paroi. Et donc il retombe de l'autre côté et il se retourne. Hop. Voilà. Bah, du coup j'ai l'épée, du coup je vais l'embrocher. Test de force, magnifique. Et donc c'est ce que tu as récupéré, c'est une grande épée à deux mains d'assez bonne qualité. Donc effectivement c'est une épée qui est. Épée à deux mains, pour lui c'est une épée à une main. Voilà, donc c'est une épée qui est du coup assez grande pour un loup-garou comme toi. Hein. Ça n'est pas un cure-dent, c'est l'avantage. Effectivement donc. Elle est derrière toi, tu te retournes et d'un mouvement souple, tu la transperces. Hop. Pourquoi tu prends le bouclier ? Après, il va se transformer en Sparta. Donc, alors c'est exprès. Donc pendant ce temps-là, donc la reine complètement paniquée commence à agiter la tête en tous sens. Hop. Elle veut nous cracher à la gueule. Et donc effectivement, voyant l'éclair d'Okino, voyant tout ce qui se passe autour d'elle, elle tente effectivement de vous cracher dessus pour comme l'homme essayer de vous prévenir, neutraliser votre magie. Là. Mais elle manque lamentablement sa cible, et même après un coup de queue trop violent contre la paroi du tunnel, de la terre s'effondre et coince sa queue. Voilà, je pouvais pas faire plus critique comme échec que ça, parce que je voulais juste cracher sur des gens. On peut dire merci à moi d'avoir dit qu'il fallait séparer, non, qu'il s'attribue de le mérite. Non, je rigole. Moi, je dis juste évite de t'approcher de sa tête. Hein. Ouais. Bah, je balance des poignards, mec. Hein. Poignard. Autant, moi, je peux sauter. Okino, c'est à toi. Ah oui, mes flèches. Okino. Normalement, tu joues en deuxième. Ensemble, du coup, je gagne l'initiative en deuxième position. Voilà, pendant que le garde, lui, court vers l'arène. Est-ce que je peux essayer de voir si je remarque pas un point faible dans sa carapace ou... Mais écoute, ce serait un test de perception. Ouais. Hop. Ça passe. 57, ça passe normalement. Ça passe. Ah, oui. Ok, donc... rapidement, avant de faire une nouvelle attaque, tu l'observes. Rapidement pour essayer de détecter des points faibles. Effectivement, tu vois que comme pour les autres Kanshi, même si sa carapace dorsale est assez dure, au niveau du ventre, elle est très vulnérable. Au niveau de la tête, par contre, elle a une grosse plaque de carapace qui rendra difficile de l'attaquer par là. Mais et c'est visiblement un petit peu ses seuls points faibles, à part éventuellement les pattes. En gros, il faut taper dans la carapace. Et éventuellement, un autre point faible que tu remarques, ce serait ses petites tentacules, hein, qui sont ses quatre antennes. Qui ont l'air. D'ailleurs, je peux attaquer après ou j'ai utilisé mon tour. Alors, allez, attaque. Soyons généreux. C'est un éclair, encore une fois un éclair, oui. Allez, tentacule. Allez. Donc, ok, tu tentes de viser tentacule, tu auras un malus de 10, mais ça passe quand même, non ? Ouais. Très bien. Fais moins D de 6. Si ça passe. En plus de 5. 5, ça va. Très bien, donc. Tu réussis à tirer un éclair dans les sortes de tentacules, les antennes, qui, tu as remarqué, pourraient être un point faible. Ah oui. Non. Purée, j'ai voulu taper moins 6, mais en fait, j'ai tapé 6. Du coup, en fait, elle a pris trop cher. Très bien. Donc voilà, tu y tires, tu atteins une de ces antennes, qui, instantanément, donc, égrillée, mise hors service, la reine s'agite violemment. Effectivement, tu m'as retiré ma mana pour le premier que j'ai lancé. Non. Parce que j'en ai lancé deux. Ça coûte combien cette connerie déjà?
Il me semble que ça coûte. Je sais vraiment plus, j'ai pas mes fiches. Attends, si je me rappelle, il me semble que ça coûte 4. 4 chacun ? Ah, d'accord. Très bien, donc. Ouais. Cher. C'est cher, mais ça fait mal. Ah bah là, c'est efficace. Oui. Très bien, donc. 3 minimum hein, de dégâts si ça passe. Ouais, donc là, tu. Après ces deux éclairs, tu commences à te sentir vraiment fatigué. Mais tu as touché la reine, donc la reine qui s'agite de plus belle, complètement déstabilisée. Pendant ce temps-là, Frost. Je vais faire une illusion là. Non, ça sert à rien. Pour lui faire peur, pour qu'il recule là. Elle a pas déjà peur. Je prends mon arc. Tire-lui une flèche dans la gueule. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire viser le dos. Juste. Le ventre. Oui, c'est ce que je comptais faire, moi, t'inquiète. Alors, du coup, ce que je disais, je range mes deux dagues et je prends mon arc et je lui tire une flèche. Très bien, donc hop, tu tires ton arc, tu tires, tu fais un test. D'adresse. Okay. 84. Là, très bien, donc tu bends ton arc, tu tentes de tirer, mais la reine bouge trop, elle bouge trop vite, elle bouge dans tous les sens et tu n'arrives pas à la toucher, la flèche va se planter dans le mur derrière elle. Mais de toute façon, en même temps, j'ai fait 6 tests réussis. Donc pendant ce temps-là, hop, Volker se lance et en voyant la reine, il dit. Oh bordel, c'est pire que ce que je pensais. Et voyant Okino épuisé, il demande t'as besoin d'un coup de main? Je pense pas que je serais très utile pour ce combat. Bah, si je peux avoir de la mana en plus. T'as des potions, t'as Joff. Ah oui, non, mais les potions, je préfère éviter de les utiliser. T'en as 4 pour régénérant. Très bien, donc il va faire comme il l'a déjà fait par le passé, c'est-à-dire qu'il pose la main sur ton épaule, il te dit « Je te soutiendrai pour le prochain sort. Oh, » si je relance un putain de sort, HL. Ouais, tu vas pas commencer. Il avait déjà fait ça en plus. Et le pire, c'est que je pourrais retenter avec Volker. Hein. Oui. Donc effectivement, désormais, la reine est seule, et... À cet instant, elle rugit, un rugissement extrêmement puissant, et vous entendez des bruits de pattes partout dans les tunnels. Oh merde, faut se grouiller voilà, là. Je le savais. Faut se grouiller. Et effectivement, vous sentez que d'autres Kanchi sont peut-être en train d'arriver pour prêter main forte à leur souveraine. On va supprimer les cadavres d'ailleurs. Hop. C'est une différence. Parce que sinon, on va s'y perdre. Effectivement, trop de cadavres. Et les mères nourricières aussi. Ah bah, cramer hein, les mères. Et voilà, et vous entendez derrière vous des bruits de pas. Même les nourricières, apparemment, sont en train de se diriger vers vous. Elles sont vénères, tu sais. Je m'en occupe. Vous n'allez pas les tuer parce que là, elles pourront pas toutes vous agresser en même temps. Si vous regardez la configuration, très bien. Donc la reine s'agit de plus en plus, et d'un violent mouvement vers l'avant, elle se dégage. Elle charge quasiment à l'aveugle vers le garde. Quasiment à l'aveugle, putain. Et donc, très bien, elle tend ses mandibules, elle balaie le garde d'un mouvement violent, il est plaqué contre le mur. L'autre mur, logiquement, mais bon. Elle est en face de nous. Il prend un petit peu cher sa race. Elle est derrière moi, putain, ma stratégie tombe à l'eau. Mais non, tu lui coupes là, tu coupes ça. Mais en fait, Spiritus, c'est à toi. Elle est au niveau du ventre, là. Mais tu cours et tu lui fais ching, tu lui coupes là. Tu lui couperas l'arrière. Et moi, tu vois, mon seule possibilité de survivre, c'est le sort HL, hein. Là, je suis désolé. C'est quoi ? Oui, par contre, non. Comme je l'avais dit tout à l'heure, le gros sort que tu avais lancé, t'avais... C'était parce que j'étais presque full mana. T'avais franchement affaibli et avait diminué tes capacités magiques pour plusieurs heures. Effectivement, tu sens que tu ne pourras pas lancer de sort de ce type pour l'instant. Ça a été trop éprouvant pour ton organisme, tout ça. Bah, on s'est foulé sur elle. Spiritus, donc c'est toi qui joues d'abord. Si je l'avais fait, je l'aurais défoncé. Mais là, je peux pas. Et au pire, tu balances ton feu follet dessus. Mon feu follet, il va se barrer hein, si je le fais. Le feu follet est juste là pour faire de la lumière. Il est dissident en fait. Il reste avec vous simplement parce qu'il est soumis, mais surtout parce qu'il sent qu'il n'y a pas vraiment de danger pour lui. Lui, au pire, il se fait agresser et redevient un petit esprit, quoi. Spiritus. Alors donc question au MJ, en mettant l'hypothèse que c'est que selon l'action ça marche, qu'est-ce qui sera le plus efficace, qu'est-ce qui fera le plus de dégâts, que je lui coupe l'arrière ou que je fasse un grand tranchant sur tout son côté comme ça? Ah ouais, grand tranchant. De tout côté tu ne pourras pas le trancher, il faut faire gaffe à ses pattes qui bougent. Tu pourras difficilement tout
tout balancer. Ouais, donc... comme ça. Et puis apparemment, il y a que la queue qui est vraiment à ta portée. Et tu commences à couper par là et tu continues jusqu'à là. Donc tu essaies de la blesser à la queue. Et tu lui coupes en deux. Test de fouerza. Ouais, je tente de la couper. Et tu le tues avec aussi. Let's go. Bon, je suis en train de le torturer, t'inquiète pas. Ça passe. Très bien, et ça passe aussi. Et donc, effectivement, tu l'attaques à la queue, lance-moi un des 6, et tu la blesses. Mais dans un spasme de douleur, la queue revient vers toi, et ses deux filaments te fouettent violemment. Ouais, mais ouais. Aïe. Il inflige quand même 5 dégâts. Et elle t'inflige 7 points de dégâts. C'est violent. Effectivement, elle te blesse au visage gravement. Et tente de libérer Ovarel après. C'est le point de vue, c'est ça. Attends, je le torturerai après. Ouais. Non, il est pas méchant. Ah bon ? Bah, il était méchant à la base, hein. Non, il s'est fait passer pour un méchant, c'est pas pareil. Mokino, c'est à ton tour. On lui demandera après. Okay. Du coup, c'est pas moi à la base. C'est à moi à la base. Ce que je fais déjà, je commence à reculer en emportant Volker avec moi. Ok, tu commences à reculer dans le tunnel. Je relance un éclair dans ses autres tentacles. Fais-moi un test, tout simplement. Sachant que. Hop, si tu loupes, voilà. vous êtes mort. Hein. C'est bon. 50, ça passe. Très bien. 6. 6 plus 2, 8. Ouh, tu lui mets bien cher. Très bien. Donc tu lances un éclair en pleine tête, à peu près au niveau de sa bouche, et elle accuse vraiment le coup. Là pour le coup, tu la sens complètement désorientée, tu as l'impression qu'elle est devenue totalement aveugle au monde qui l'entoure, qu'elle a perdu un peu toutes ses facultés de raisonnement. En gros, je vais électrocuter le cerveau. Très bien. Je l'ai électrisé complètement. Et donc à cet instant, elle pousse un ultime rugissement, fouette tout ce qui se trouve autour d'elle, y compris Ovarel qui, vous entendez de son côté, un rugissement étouffé. Le garde l'est propulsé un petit peu plus loin. Et puis, elle fonce vers vous en essayant d'abattre tout son poids sur vous. Sachant que j'ai commencé à reculer, moi, je me suis préparé à ça. Ouais, mais elle se déplace vers vous le plus vite possible de toute la vitesse de ses pattes, et elle tente de s'abattre lourdement sur vous, elle s'élance. Et à cet instant, vous voyez comme une lueur émanant de son ventre, et vous entendez un bruit d'explosion, mais d'explosion de chair qui explose de l'intérieur. La reine se cambre et elle retombe sur le côté. Effectivement, je l'ai dit deux fois, mais effectivement, elle est affalée sur le côté, elle n'est plus sur ses pattes. Et elle s'agite de plus en plus faiblement, et vous voyez son liquide vital qui s'écoule ici sur le côté. Ovarel est libre. Ça, c'est ça. Vous voyez tous les trois distinctement que Ovarel n'a rien fait. Ovarel est toujours attaché. Il a l'air aussi étonné que vous. Et donc à cet instant, Okino, toi, tu sens quelque chose dans ton esprit. Tu sens une présence. Tu sens une présence magique. Hop. Et à cet instant, donc, vous voyez vous tous surgir du ventre de la reine, eh bien, une petite chose lumineuse. Oh. Tout kawaii for you. Il a fait une explosion quand même, je rappelle. Et donc, voilà cette petite boule de lumière. Vous ne la reconnaissez pas, mais Okino, toi, tu sens, tu reconnais sa présence magique et tu sais que d'une façon ou d'une autre, c'est Valiel qui est revenu. Valiel. Oh non, on est foutu. Et donc Valiel, effectivement, il s'agit dans tous les sens et puis il vient progressivement te voir. Et Okino, tu sens brusquement le lien avec ton feu follet qui s'affaiblit tandis que celui-ci s'enfuit dans les tunnels. Il est jaloux. Et à travers le lien magique qui commence à s'affaiblir, tu sens de la peur, tout simplement. Un de ses prédateurs naturels vient de le repérer. Il s'enfuit. Ouais, parce que Kinei, c'est... Pendant ce temps-là, Frost, tu vois donc les nourrices enragées qui foncent sur toi au mépris du danger. Bon, je le déglingue. Fais une illusion de feu, ça va les effrayer. Ouais, mais non, ils sont pas trop cons. Bah, ouais, bah, petite illusion de feu là, ouais. Ok. Si tu fais un... Et d'ailleurs, une illusion... C'est bon, ça passe, je crois. Si faire une réussite critique, est-ce que l'illusion, elle devient réelle? Ce serait bien.
Mais il y a quand même une différence entre une illusion et un objet matériel. J'ai combien ? T'as 55 en intelligence. Oh non ! Ouais, mais il a un bonus. Ah, j'ai un bonus ? Il a un bonus. C'est illusionniste plus 20%, il a réussi. Si j'avais pas de bonus pour mes sorts de foot, je serais dans la merde. Si j'avais pas de bonus pour mes sorts de foot. Bah oui, évidemment. C'est un peu le principe. Très bien, donc... Effectivement, tu te concentres et au dernier moment, pour tenter de les effrayer, eh bien, tu fais naître l'illusion d'une flamme juste devant toi. Une illusion qui, par rapport à la précédente, te paraît nettement plus convaincante, car tu as appris de tes erreurs, tu es devenu plus expérimenté. La flamme est plus grande, plus réelle, et les nourrices, eh bien, déguerpissent. Allez, salut. Sans demander leur reste. C'est du style, on vous attaque pas quand vous passez parce que vous ne nous faites rien. On veut vous attaquer, tu mets une flamme, ok, on recule, on est gentil, nous. Et là, je prends mon arc et... Flac. Coco. Ok. Au fait, pour la magie, effectivement, donc c'est Volker à qui je vais enlever 4 points d'énergie. Ah, je n'ai même pas utilisé la magie, je lui ai juste pompé la tienne. Et donc voilà, à cet instant, en voyant donc celui que tu sais être Valiel, eh bien, Volker s'écrie « Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cet esprit ?» C'est mon poteau, c'est Valiel. Valiel, c'est tout ce que je dis. Valiel est mort. Il a changé. Et donc à cet instant, donc Volker s'écrie il faut l'achever tant qu'elle est encore à terre. Donc il s'élance vers elle. C'est ce que je voulais faire personnellement. Et au mépris du danger, donc il la frappe dans les antennes. Et j'ai mis en tant qu'ennemi, mais oui, c'est Volker. Très bien. Et donc Volker la frappe au niveau des antennes avec une magnifique réussite. 10, du coup il a fait. Non, ça c'est un décis. Voilà. Très bien. Et donc Volker, ouais, c'est bon, il est parti. Très bien, donc Volker lui fouette violemment la tête avec son bâton et la tête de la créature part sur le côté, elle s'affale quasiment à jouer. Mais je me dis que je mettais un coup d'arc en fait, mais bon, on m'a pas écouté. C'est à toi, Spiritus. Oui, mais toi t'as lancé le sort d'illusion, tu peux pas lancer une deuxième grosse action. Du coup, je fonce toujours l'épée en main pour la finir en la tranchant au niveau du ventre. Ok, test de force, bonus de 10. Allons-y. Ça passe. Très bien. Et donc tu t'élances sur l'arène qui ne s'agite plus que faiblement. Tout simplement non, parce que tu lui assènes un violent coup d'épée dans le côté, elle est très très affaiblie et cela l'achève. Voilà. Attends, félicitations. Là. Et donc, c'est ainsi que va s'achever cet épisode de Dragonia 5985. Boss battle, level up dans le prochain épisode. Non, peut-être pas non plus. Arrête. À la prochaine. Level 2, on affronte un level 20. Level 10. Ouais, c'est ça.